Salut Steph pour la Freeride TV. Donc je viens d'essayer chez LipTech la Phoenix, donc la board de Gemelin en C3. Donc toujours un plateau de référence pour les riders exigeants qui sont assez puissants. On a une board qui est assez exigeante en placement, mais par contre dès qu'on est bien dessus, on sent que c'est une arme de guerre pour carver. C'est très polyvalent, ça passe partout, ça demande quand même de l'expérience de la part du rider et ça demande une présence physique, un peu de concentration pour s'y habituer, mais après ça reste un plateau de référence. Elle est magnifique, très très belle. On est sur un camp classique avec le Mania Traction, une nouvelle spatule devant, très originale, et bon, ça change pas grand chose si ce n'est que bah, la forme est un peu originale. On a du setback, on a une spatule qui est hyper arrondie derrière, donc avec du setback, mais on va avoir une board qui quand même doit très bien fonctionner en poudreuse. Elle doit déjauger du talon facilement, déjauger de l'avant et être maniable au talon en poudreuse. Maintenant sur piste, bon bah voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est une arme de guerre. Après, on a donc la petite sœur en fait en C2 avec un cambre inversé et du Mania Traction. Voilà. Donc en fait, ils ont voulu vraiment orienter la Phoenix, mais en lui donnant un côté un peu plus ludique, plus facile d'accès. C'est une board qui va demander, on va dire, moins de niveau de la part du rider, mais qui reste très performante, qui est beaucoup plus ludique que celle-ci, plus joueuse, ouais. Beaucoup plus joueuse. Peut-être elle va avoir une orientation un peu plus freestyle, flat, pour un rider qui a pas besoin d'avoir une board trop rigide, mais qui veut retrouver tous les éléments de la Gemelin et qui veut une board tout aussi polyvalente dans un programme peut-être un peu plus facile. Changement de carte très rapide, assez étroite au patin, donc la pointure, faut faire attention, faut bien regarder pour pas se louper, pour pas prendre une board trop étroite, prendre bien du wide si on veut, si on fait plus de 43. Voilà, très très bon plateau, hyper sympa, on est vraiment dans les plateaux de référence. Ouais.